Tu m'appelles? Si tu parles, tu m'as regardé. Oui. J'ai parlé à une fille. Une fille, mais aucune personne ici. Mais en fait, disons qu'elle était timide et qu'elle m'a dit que je devais la rejoindre au pic blanc. Le pic blanc, le pic sans tête, tu veux dire. Non, le pic blanc. Ah d'accord, mais c'est super loin. Si tu veux, on peut t'aider. Ben oui, s'il vous plaît, vous êtes mes amis. Bon, moi je vais faire un coniforme, ok, je vais venir. Bon, bien, allons-y. T'es sûr d'avoir pris la bonne route, Chigo? Je te connais. Oh, Mathis, t'inquiète pas. Oh, mec, tu laisses tomber. Oui, c'est tout prêt. Ok. Oh, et juste question. Hein? C'est jusqu'à où le pic sans tête? Enfin, le pic blanc. Pourquoi je dis le pic sans tête? Le pic blanc, ça se trouve jusqu'à, disons, derrière le pic sans tête. D'accord. Et ça tombe pas au moins 3 ou 5 jours, quoi, une semaine. Mais t'es fou, pas, j'irai jamais ici. Le pic sans tête, c'est super long. Plus le pic blanc, c'est encore mieux. Donc, moi j'avais besoin de faire du jogging. Et bien, on va mourir, je te rappelle. On peut arrêter. Bon, allez, on y va. C'est pour la petite décide. Oui, super, super. Ok, on y va. Bon, comme un petit peu. Il va faire une fois qu'on se repose. On a quand même bien marché. Ouais, c'est un peu que ça fait depuis 3 jours. Bon, à demain. Alors, tu es bien sûr qu'on doit passer par ici? Oui, je suis bien sûr. À cause de la tempête et de la neige, il y a eu beaucoup de chemins étroits qui ont été un petit peu congelés, tu vois. Donc, c'est le seul chemin qui n'a pas été congelé. Mais c'est un petit peu dangereux, hein. Mais oui, mais tu veux qu'on fasse quoi? Retourne, ma petite amie, Sid. Tu vas en premier, puisque si t'as amis. Mais oui, je me connais. T'es prêt? Mais... voilà. Là, t'es prêt. Mais t'es... Fanny, t'es pas cool. Bon, allez. Fanny, tu vas ou... si, moi. Ben, si. Ok. Ça y est, je suis arrivé. Aïe. Oups. Bon, Mali, tu y vas ou j'y vais? Vas-y. Ouais, t'as raison parce que tu es plus long. Excuse-moi, c'est un peu lâche. Ok. Comme tu veux. C'est bon, tu peux y aller. Mais c'est pas sérieux ce truc, c'est bien étroit. C'est étroit pour quand même pas. Mani va jamais par ici comme ça. Allez, mon Dieu, maman. Oh, mon Dieu. C'est de la lave qui est en bas. Oui, si tu ne regardes pas en bas. Let's go! Bon, là c'est un iceberg. Il y a un trou en bas. Si les mots pourra passer,
Mais mamie, on te fera un gros trou. Comme ça, tu pourras bien passer. Mais je suis pas gros. C'est mon pelage. Ouais, c'est ça. Bon, allez, si tu commences. Ok. Alors, tu vas quoi? J'y vais un truc. Attendez. Ouais, j'y vais quand même. Même dans son espèce, il reste toujours le plus bête. C'est pas croyable. Mais quoi? Attendez, j'essaie d'entrer. Je vais réussir. Allez. Ah! Ça va? Ouais, je suis de côté. Je suis bien. Ok. On voit tes pieds, iceberg. Oh, c'est bon. Bon, allez, à mon tour. J'y vais. Bon, on aurait dit qu'on est coincé ici. Arrête de tomber, mais c'est pas moi, c'est glissant en plus. Comment vous avez fait pour rester debout? Écoutez, peut-être que la glace aussi, un petit peu, voilà. Mais bon, au moins, on a réussi à avoir une grotte et on peut sortir et rentrer. Au moins, c'est déjà le début. Donc, voilà. Ok. Waouh, on aurait dit qu'il y a des sortes de miroirs. Qui va les voir? Ben, toi, vas-y. Ok. Bah, je vois rien. C'est que t'es nul. Bah, non plus. T'es nul. Et moi, j'y vais quelque chose. Hey, mais c'est moi quand j'étais jeune. C'est quoi ce pins? Je sais pas. C'est quoi ce truc? Oh, Dieu. Mais c'est moi quand j'étais jeune. Tu t'es trop. Ah, mais c'est quoi ce pins? C'est toi en face de toi. C'est quoi ce truc? Je sais pas, c'est étrange, parce que je suis un fantôme. Un fantôme mammouth? Ouais. Mais, ah! Mais, alors pourquoi t'as pris mon apparence? Parce que je suis un mammouth qui était venu ici autrefois, mais j'ai pris de la glace. Et comme ça, maintenant ça commence à fondre, voilà, j'ai réussi à ressortir et mon corps s'est décomposé. Maintenant, mon corps était là, on voit toujours des traces. Et bien maintenant, je suis mort et je suis un mammouth. Et j'ai plus ton apparence. Mais pourquoi t'as plus mon apparence? Comme ça. Mais... Bon, allez, je vous laisse dormir si vous voulez. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eddie. Moi je m'appelle Mani. Enchantée. Ça fait du bien de voir des mammouths. Ouais, même si je suis un fantôme. Mais c'est pas grave. Ouais. D'accord. Mani fait amie avec un fantôme qui doit se passer bien étrange. Moi j'ai peur. Attends, ma dégo. Aïe. Bonne nuit. Ok, bonne nuit. Si tu veux, tu peux t'en aller avec moi. Ouais, ou si je voulais, je peux subir au cas où s'il y a un truc. Ok. Et dit, oui, bah oui, merci, mais je suis un fantôme, donc je peux pas dormir. Oh, dommage. Ouais, c'est dommage, mais moi je peux survivre. Bonne nuit, bonne nuit. Debout là-dedans. Ah, il dit, tu m'as fait peur. Ah, désolé, mais tu sais, je suis un fantôme, donc. Ouais. Ah, vous avez la plus fait connaissance. Toi, la ferme. Ok, je m'éloigne. Allez, lève-toi. Aïe! Bon, on va reprendre notre route, c'est dommage qu'on ne te verra plus. Ouais, c'est dommage. Moi, je suis mort ici, donc. Ouais. Bon, et bien, à bientôt, Mani. À bientôt, toi aussi, dis. Peut-être qu'un jour, on s'en reviendra. Si tout prend, j'étais chez nous. Ok, alors. Ok, peut-être que tu reviendras me voir. Il fera bonjour, ok. Et comment tu sais que tu aimes bien jouer au hockey? Comme ça. Et que t'as une femme qui s'appelle Ellie et que t'as une fille qui s'appelle Pêche. Tu connais tout? Ben oui. Puisque si j'ai plus ton apparence, je peux connaître aussi tout ce que une personne peut savoir. Et tes parents sont morts et toi tu es le seul survivant. Ouais, je sais, c'est dommage. Bon, allez, allez, au revoir. Au revoir. Et à tes jours. À tes... Ah, moi j'aimerais bien ce mammouth fantôme. On m'a dit fou, un mammouth fantôme quand même. Fantôme. Mais alors, moi je me dis, il dit. Ouf! Ah! Ah, mais dis, tu fais peur, hein. Tu peux
vas pas vivre. Mais comment t'as fait pour sortir de l'auberge? Mais j'ai réussi à me sortir. Donc tu es vivant là? Ouais, mais comment c'est possible? Selon moi, mon corps n'était pas complètement décomposé, en fait, j'avais menti. Il était en dehors, donc j'ai réussi à rentrer. What? Tu peux pas comprendre des fantômes. Ok, tu veux bien nous aider si tu veux. Ouais. Vous allez où? On va au pic blanc. Ah, c'est à côté du pic sans tête. Ouais. Mais si vous voulez, je peux faire spawner. Ah bon? Ben oui, je me redeviens fantôme. Je fais spawner. Et voilà. Mais si tu veux, tu peux rester avec nous tant que tu veux. Ah, on reviendra chez nous. C'est un fantôme. La féocide. Ah bon, on a la même chose. Ouais, c'est vrai, on est pareil. Ah ben voilà, deux manies. La ferme, Sid. Ok. Bon, allez, tu nous aides. Ouais, je vous fais spoiler. Ah ben c'est trop cool. Ouais. Mais comment tu savais que c'était ici que la fille attendait? Ben, toi, comme on est en photo, tu dis hier, je connais tout ce que tu connais. Et même des fois en plus. Wow. Mais là, je suis apparence normale. Mais tu pourras nous faire revenir chez nous, comme ça. Oui, je sais pas, je vais essayer. Ok. Parce que maman, c'est mon dernier vœu. Si je recommence encore une troisième fois, c'est que je pourrais pas revenir. Et ben, elle a dit. Et où la fille, t'es là? Non, mais t'es sérieux? Comme ça, tu l'appelles la fille. Mais quoi, c'est une fille? T'es con. Laisse tomber. Mademoiselle? Mademoiselle, on est là. Mademoiselle? Mouah! Ah! Mais, t'es venu tout pour moi. Allez.